Dans la Réunion, il y a Budapest en Afrique du Sud. Tout ça va prendre le bel et aux autres dérangés, va congoler en Afrique du Sud. Vous allez toujours brancher parce que tu dénoncer toujours le problème aux gens et aux les gars en Afrique du Sud. Internautes et spectateurs, vous avez aidé vos autres à travers la voix de la diaspora congolaise en Afrique TV. Tout ça toujours en Réunion, il y a Budapest, Fédération Afrique du Sud. Et ils ont organisé par la fédération à Pretoria. Tous les bandes de tous les monde à bonjour, bonjour internaute. Je réponds au nom de Junior. Donc, on va parler mafia. Junior mafia. Yes. Alors, où est-ce que ça? Ouais, tout est réunion, parti à Budapest, on était un peu invité. On a essayé de tous à l'heure. Il est présentement quoi. Et pour tout le monde, on les a été les. Je suis en train de le voir. Il faut le voir. La communauté comme les autres, voilà, nous sommes en Afrique. Ils ont besoin d'unité. Ils ont besoin d'aller ensemble, together. Parce qu'il y a trop de spéculations sur les mains. Ce n'est pas vraiment réalité. Udepes Nineza, tu comprends un peu. Mais le président a eu des pèses. Il y a un tué, unité. Et tant que le Congolais, la diaspora, pendant nos messages, comme ça, tout le monde a eu. Ok, alors, il y a un apport dans la partie des Haïtiens, personnellement. Apport nangai, apport nangai, aux affaires primordiales. Apport nangana izana l'unité. Avec l'unité, unité c'est la force. Mais pas les divisions, unité. Donc apport nangana en moi. Merci beaucoup. Toko tato la nabango, tu y vas faire une émission. Ok, merci beaucoup. Merci. Comment nous? Gédéon Soupi. Gédéon Soupi. Fanina Pretoria, moi ba miaka ya fait de ce dia Pretoria. On a les gars Cape Town, t'es na banda Djogo, Cape Town, Djogo, à salinga transfert na Pretoria. Et on a Pretoria. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bozawana, Bozo, Nagabiso, à travers la voix de la diaspora congolaise. Boyoki, invitation, combattant, il y a IDPS, Bazaawa, Balani. Il va passer à travers la voie de la diaspora congolaise. Merci beaucoup de vous continuer. Vous êtes toujours dans la réunion. Il y a Udepes, on a Pretoria, on a du Sud. Vous êtes toujours branché et vous recevez là. La révélation est au bimani. Merci beaucoup ce soir. Qu'on ait tous une idée de construire l'inspiration, la compréhension, l'entendement aussi ce soir. Soit avec nous, inclusive parmi les pays de l'Union européenne. Et que le peuple congolais élève encore sa tête. Sans plus tarder, je me vais juste vous demander de nous tenir debout. Nous allons chanter l'hymne national de la République démocratique du Congo. Nous allons. Vous n'êtes pas encore là. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Fier Congo, ton béni.
bien-aimé Congo, nous pèlerons ensemble et nous assurerons ta langue. 30 juin, au consoleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, bénis mon père, serment de liberté. Le peuple est là.
parce que moi je comptais vraiment à vous. Et puis Boye, 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 vraiment, au nom de la jeunesse, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. L'un des grands problèmes de Tozamango en tant que peuple, c'est l'organisation. Est-ce qu'on a aussi? Non, on a bien l'élection là. On a bien le logo. Tobando, c'est la cause idée. Tobando, c'est là. Introduction là, c'est nice. Et ça, bien. Moi, c'est bien. C'est un problème que nous avons en tant que nation. En tant que communauté congolaise. L'organisation. Il y a des petits groupes par-ci, par-là. Mais en général, tout ça organisé bien. En tant que parti, c'est quelque chose que nous voulons vraiment, on a anglais balombaka tacler. Nous voulons vraiment entamer une mobilisation, une organisation forte. Hein? Vous savez, il y a quelques années, que la cafard de ces bruits, là qui sont. Nandenge ba paya, ba bandeko bundisa biso, nandenge to bandeko ogate, nandenge. Combien de gens baloba, je suis béni à moi? Namoro banka, na loba fo. Je suis béni. Azawa l'autre a profil na naye. Béton. 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 Je suis de plus en plus fier d'être congolais. D'être congolais. That's nice. Je peux l'aider au démo congolais et au bas. On redresse nos fronts qui ont été longtemps coupés. Les bandeli, le belé, le belé, bandoloba, est-ce que marionnette, est-ce que on va commencer à exposer les choses. Alors, un à un, ma camoufle, je vous sens la bien. Au baso, vous avez un balai sous terre maintenant. Au baso, vous cassez quoi? Ceux qui nous ont gagné un peu. Vraiment. Non, ma bande de couleurs. Imaginez un peu. Il y a du bois, comme on est soir. Il y a du bois. Au lieu, au lieu de salir ça, le peuple congolais, ils prennent le bois et ils ne font rien pour la nation. Ils ne donnent pas du travail, ou bien le travail c'est mal payé, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. C'est quoi? Ils prennent les ressources du pays. Mais Bazoti Kamiso Gabon. Alors, au Kamisa Kimana, Yamote, 8 de place au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Prophétie. Yes. Amen. Filme Bani. Amen. Macha bien. Donc, là, personnellement, je compte sur tout et chacun ici. Pour montrer à nos frères congolais que parti Nabiso, on cherche le bien-être du Congolais. Yeah. On cherche le bien-être du Congo. État de siège des matins. État de siège des matins. Production d'Avango, mine ce que ça va être pour éviter. Mais la production va minérer l'Avango et quitter déjà. Alors,
dans cette pensée, hein, dans cette pensée, Bokende, Boye Bisa, Bao Bazo Kawana, que Fachi Azosala. Et il ne fait pas ça pour Naé Moko. Il fait ça pour le Congolais. Toute tendance confondue. Toute tendance confondue. Il le fait pour le Congolais. Tozo mona matambazo sal. Hein? Bon, t'en as dit. Si quand Tozo mona matambo, Fachi Azosala. Biso parti Naé, Tokosa Ané. Pour soutenir il y a 100%. Pour soutenir Fachi. Et Moba, pasteur Guili, c'est notre frère, c'est notre saint. Pour soutenir Fachi. Il a l'intérêt du Congo, il a l'intérêt du Congolais dans son cœur. Hein? Dans le même cadre d'esprit, dans le même sentiment de soutenir Fachi. Et en gros, dans l'organisation à Bissot, dès qu'on est organisé en tant que Congolais, hein, est-ce qu'on peut améliorer notre organisation? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les Bissot nous sont en haut. Est-ce qu'on peut être. Comment qui dirait Bomoko entre nous. Bomoko. On peut être une seule personne. La Suki Péwana, Zamba Pambola Bino. UDPS viva. Nous allons aussi inviter les docteurs du Dédi Kamba pour venir pour son intervention. Est-ce que nous pouvons aussi l'accueillir à nos interventions? Le message
il est clair et limpide. Nous, au niveau de la fédération provisoire, nous avons le devoir et nous sommes donné certains buts. Le but, c'est porter le flambeau de cette fédération au bout. On doit être reconnu officiellement. Et je pense que Père pose à son âme, le fait docteur Kimana, il s'est aussi beaucoup battu pour ça. C'était parmi nos objectifs. Et nous sommes en train de continuer de battre pour ça. Il faut qu'un de nos membres nous retrouve au niveau de la fédération. Pourquoi c'est important? Parce que je crois que le président Ali, quand il était ici, il a expliqué le rôle du président fédéral. Il est très important. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est oubliée, c'est parce qu'il n'y a pas un président fédéral. Les gens vont à qui ils montent, ils descendent, mais c'est ça la réalité. Ceux qui vont à qui ils vont, les cadres personnels. Et nous nous battons pour ça. Et le deuxième rôle que nous avons eu, c'est d'implanter les sections. Et qu'est-ce que la section, elle, doit faire comme travail? Aller au fin fond. Parce que la section, c'est comme l'unité, donc c'est la cellule mère. Donc vous allez au fin fond pour aller toucher les gens. Direct. La section doit recruter. Il ne faut pas que cette section, qui était à 10 ou à 100, après 6 mois ou une année, cette section rentre à 10. C'est-à-dire qu'il y a un problème. On ne doit pas juger les gens par des sentiments. La politique, ça ne se fait pas avec les sentiments. Beaucoup de gens mettent les sentiments. Fatshi, c'est un grand politicien. Et moi, pour moi, c'est un mentor pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui a donné goût à la politique. Il a appris à ces gens qui étaient du FCC comment faire la politique. Aujourd'hui, je pense que le président a aussi énuméré ça. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Amen. On est fiers. Et moi, je peux dire, on est fiers. Pourquoi? Quelle raison? Parce que nous avons beaucoup de nos frères aujourd'hui qui sont en train de courir rentrer au pays. Grâce à Fatshi Béton. C'est grâce à Fatshi Béton. Thank you. Justice et droit. L'état des droits. C'est ça son pilier. C'est ça son champ de bataille. Avec l'état des droits, FCC tout KO. Les voleurs en prison. L'état des droits. Je me rappelle même, ironie de sort, il y a une de mes cousines qui est magistrate, elle est grande magistrate à Bakin. Elle me dit, ah, Fatshi même, il nous a mis des coques, des cales partout, il n'y a plus de coques. On veut la magistrature. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'état de droit. Tu peux être son frère, tu peux être son cousin, vous pouvez avoir des relations, vous avez évolué ensemble, mais respectez le droit. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui, et parce qu'ils ont commis des infractions, ils sont en prison. Et c'est comme ça qu'on va vous respecter. Quand vous êtes juste, on va vous respecter. Pour terminer, il a parlé de l'organisation. Je sais que c'est pas un sujet tabou, un sujet à beaucoup de problèmes, l'organisation. Je ne vais pas parler au niveau de la fédération, moi je vais parler plus, comme je suis un prêteur, je vais parler de Pretoria. Donc vous allez décortiquer. Je ne vais pas décortiquer, c'est à vous de trouver les solutions. Soit qu'il a dit un point important, nous devons prêcher l'amour. Et ce que je demande, c'est ce que je demande au président de la section, d'essayer d'intégrer le maximum de personnes possible dans cette section. Je voudrais, quand vous aurez des réunions, parce que ce sont des réunions, je crois, élargies, je ne sais pas comment vous êtes organisé, on met des comités, des réunions, juste des réunions des comités sectionnaires, mais aussi des réunions élargies. Quand il y aura des grandes réunions au niveau des Pretoria, nous voudrons que cette salle soit pleine, remplie,
Allez recruter les gens. Travaillez. Travaillez. Mais je pense que nous aurons des bons résultats. Mais venir avec des projets, c'est une chose. Mais avant d'aller vers ces projets là-bas, je pense qu'au niveau de la section de Pretoria, nous devons avoir une structure chargée des projets. Aider peut-être les gens comment élaborer ces projets-là, comment ces projets-là doivent passer, la faisabilité. Moi, j'ai dit aux gens, il y a des piliers très importants dans les projets. Il faut que ces projets-là soient réalistes. D'abord, ils soient réalistes, peu coûteux pour toi-même. Ne demandez pas au gouvernement de vous donner l'argent pour faire ces projets là-bas. You can meet halfway. Parce que le gouvernement a beaucoup de problèmes, même si vous êtes membre de l'UDPS. Donc peu coûteux, ces projets-là. Et nous, au niveau de l'UDPS, nous devons le protéger. Que ce soit votre projet. Et ça, c'est très important. Alors, quand je vous montre comment faire ces projets, donc il faut au niveau de la section qu'il y ait des membres qui peuvent vous montrer comment faire des projets. Des petits projets, il y en a beaucoup. Covid est venu. Il a emporté beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de morts. Mais le bon côté du Covid, c'est quoi? Nous avons beaucoup de formations online et des fois même gratuites. Accédez à ça. Parce que comme nous sommes ici, vous allez rentrer au Congo avec même pas un petit certificat. C'est un problème. Comment on va vous respecter? Comment on va vous respecter? Vous avez perdu votre temps ici. Et des petites formations. Vous avez des certificats. Vous pouvez rentrer au Congo avec ça. Et j'appelle toujours nos professeurs nous casser les oreilles derrière chez nous. Je dis, mais tous ces gens avec vous, quelqu'un qui a 10 certificats. Mais c'est possible. Vous pouvez en avoir. Vous vous atteignez un jour, deux jours, on donne un certificat. Il ne faut pas venir comme vous êtes venu pour rentrer, main vite. Non. On ne va pas vous respecter. Ne faites pas comme nos autres frères qui sont venus, les autres diasporas. Tout le monde est venu chercher les temps. Amenez un surplus. Il faut qu'on montre que l'Afrique du Sud a des têtes et des cerveaux. Vous avez ces capacités là-bas. Nous avons l'avantage parce que nous sommes noirs ici. Peut-être qu'ils peuvent dire qu'il y avait trop de blancs là-bas en Europe, aux États-Unis. Mais nous avons l'avantage de nous intégrer. Partout, dans la sécurité, les gardiennages, toutes les sécurités, il y en a. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de sous-métier, mais des sous-gens. Les gens pensent que non, il faut que je puisse être dans un bureau. Non. L'homme blanc ici, vous le voyez peut-être comme ça, mais peut-être dans la journée, vous voyez qu'une petite culotte là-bas, il est là-bas, il travaille durement. Dans le truc, il cueille des tomates, il fait ceci. Mais non, ça va des grandes choses. Non. Mais ce type-là, c'est un millionnaire. Mais là, une petite culotte, il va travailler. Nous avons, vous êtes vraiment des Sud-Africains ici, je pense. Quand il travaille, après 5 ans, 10 ans, il veut quitter. I want to be my own boss. Nous devons avoir cet esprit-là. Et avec cet esprit, on va nous respecter au Congo. Ça veut dire qu'on a un problème de papier, mais comme j'ai dit, c'est un truc où je pense que quand il y aura un président du niveau de la fédération, on va essayer de voir comment nous allons deal avec ce problème-là. Parce qu'il y a des problèmes de passeport, il y a des problèmes, les gens qui ont des statuts qui ne sont pas résolus, il y a des problèmes de monde, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes même partis au pouvoir, alors nous sommes en train de nous battre pour ça. Alors chacun doit vraiment porter l'étendard de l'UDPS très haut. Il ne faut pas qu'un autre parti puisse nous ravir. Nous devons rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus va revenir. UDPS vivant! UDPS vivant! Viva, viva, Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. En tout cas, j'ai dit, je peux m'arrêter là-bas. J'ai dit et je vous remercie. Il y a une question? Le sol et le sous-sol n'y a pour moi appartient à l'État. N'a eu qui voté Ibiso Ao. Il y a pourtant là pour ça la formation à un moment du pied avant la personne. Mais tout ça va plus colorer. La grande majorité, tout le monde a un bandeau à la parole.
et les lois ont décidé au Congo, aux hommes la mettre au moins des actes. Et vous avez tout pour vous, c'est un homme qui a eu mon avenir. Souci n'a pas été à vous. N'est-ce que mon arabe a mort en souci? Pour développer le pays, n'est-ce que tu as une classe et sa structure mentale? La structure mentale, on a et vous avez un cas sous-cadé. Le développement, ça n'a pas été à l'urbanisation. En tant que peuple, l'État de Azana mort à dire dans ma Cameroun. Mais Bino, pour aider qu'il soit là, on dit ça, on va dire la hiérarchie. Tout ça, il y a un peu. Dans mon quai, il y a la sémise, je ne sais pas la paix. Mais ma bébé, il y a trop cher dans la poche. Ce qui est l'État, pour aller la mission du Cameroun. Les attaques à la monnaie à faire des sujets qui ont attendu la question à la télé. Mais ceux qui ont appris ce qui sont à télé, il y a que non, à ta condition et cause à mon tout à l'aide à fond. L'état de ce matelé, par exemple, mon tout à l'aide à moi 30 000 naïfs. Tout à l'aide à 20 000, tout à l'aide à Oye na mo banque moko ezawana et epi que non soki mutu oyo aye na mbongo oyo apesi yango aza na posa que non compagnie moko ya construction ezawana amemi projet na ye mabele l'état apesiye atongi ndako na ye wana eza neti garanti poso bakoki ke bapesa mabele baaventure baza ebele baaventure baza ebele bakoya boye atongi kaka mwa kazi na ye afandi. Mais le développement au tout ça dans le monde, tout le monde est moins structuré au monde où il y a un autre côté, pas un autre côté, tout le monde a la vie tranquillisée. L'État. Pas un autre côté, parce que ça va être la vie tranquillisée. Ça va bien. Sauf que le monde est tout ça, moi, je suis un peu plus moi, mon pied est cause à la paix tout seul. Mais ma bébé, ce qui est au talé, par exemple, au fin de l'Afrique du Sud, pour qu'il y ait un peu de temps, pour qu'il y ait un peu de temps, pour qu'il y ait un peu de comparaison, pour qu'on se retrouve que ma femme est pour moi, ma femme est pour moi, et ça trop cher pour les gens qui ont fait des suites. C'est ce que je veux dire, que tout ça, ma femme, pour qu'on m'en appelle tout le monde. Moi, je vais retrouver ça. Mais ce qui va passer, c'est que ma belle, pour qu'il y ait un peu de temps, pour qu'il y ait. Au même projet, il y a un projet qui est là, 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 il y a un projet qui. Mais apparemment, c'est comme s'il y a que un décédent mauvais. Parce qu'on ne sait pas. UDPS n'y a pas toujours là-là. UDPS n'y a pas toujours là-là. Il y a de confusion. On ne sait pas la UDPS. Mais on ne sait pas un peu voir. Dans la figure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Oui, on le met à parti provisoire, soi-disant, fédération provisoire. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une autre question. Dans l'entraîne, je ne vais pas parler de banc ou de commande, je dis à l'entraîne ici. Vous avez combien de partis avec des pèses? Au moins, il y a confusion, les amis. Il n'y a pas. Peut-être que vous avez un peu de temps, mais par exemple, vous avez une confusion. Et une pèse, vous avez une pèse. Donc, il y a trop de confusion sur ça. Alors, c'est aussi la base aussi, peut-être, il y a. Même dans le monde, c'est l'analyse, il y a des salles qui sont. Il y a toujours une division à l'intérieur parce qu'il n'y a pas vraiment la réalité. Qu'est-ce qui se passe à quatre parties, il y a une UDPS. Merci. Merci beaucoup. La mission UDPS est comme majorité présidentielle. Pour moi, quand je suis tout au long, on a pour moi que non, oui, parti n'a pas été comme présidentielle. Et donc, on a mis un combattant à l'UDPS. Donc, on a mis un combattant à l'UDPS. Et voilà, quand même, il y a un combattant à l'UDPS. Tu peux pas faire une chose. A foutu, a bondi à tout le combat, je crois que tout le monde va y dire on va y aller pas à finir. Pourquoi à Kinaka Kaboui, on a mis tout le monde qui n'a pas déjà oublié quoi.
Il y a des gens qui sont ici, ils ont la position de la banque, ils ont la banque, ils ont la famille. Ils ont la banque, comme le président, ils ont la banque, ou bien ils ont la banque, ils ont la banque, pour le moment, pays n'a pas de simata. Sauf qu'ils ont accueilli, ils ont besoin de responsabilité, comme les fonds des autres pays qui sont dans la ville sud. Ils ont besoin de la banque en charge. Mais tout ce que nous avons la banque, pour qu'ils ne soient là, ça c'était ma première question. Deuxième question, la main. Oui, nous avons besoin de la la bicycle est bien place par base, par congolais, par exemple, pour utiliser bateau, pour la couvrir de sa masse. On va base, la bicycle, il y a Pretoria, quest ce que sont les amis pour qu'il y ait des bateaux, quelles sont les motivations? Bref, peut-être que nous avons besoin de nous même élection en 2023, tout le monde est par force, tout le monde est en train de nous faire. Quelle motivation que vous voulez nous donner, que nous sommes les mamakas? On a motivé le bateau parce que c'est ma baille pour nous, parce que c'est ma limite. On s'en a sécrit du matin jusqu'au soir, on passe à l'émo, on mettait soin sur la Congo. Déjà pour moi, ça ne faut dire rien, sourire dans ma campagne. Non. La loi de la France, c'est avant que les gens qui sont alignés là puissent être déportés, il faut que les gens de l'ambassade ici, ça n'a rien de dire ceci, celui-ci est congolais. Ceci n'est pas congolais, ceci est camerounais. Le chef vous dit, c'est pourquoi je ne voulais pas être sous caméra. Ok? Ça fait beaucoup de temps que les gens de l'ambassade là, ne passent pas pour dire que ceci est congolais ou autre congolais. Vous savez combien de gens qui sont là-bas? Savez-vous combien de congolais qui sont dans les hôpitaux ouverts à cause de nos assistants? Savez-vous? On vous passe ces masses qui sont au Congo, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je suis venu dans ce pays, le système fait du bail, tout en son humanité, à venir. Malheur, mais celui-là, on est là où il faut faire. Et pour faire des combats, on est là, il s'en fait des moments. Il fight for this community. People want passport here because of art. You got to chair and marry and not do whatever you do. But I will never trust the police communities. Because whatever you do, you go and fight tomorrow, they will leave you on the street. I'll ask you a simple question. Today you're talking about people must go to Okay, avez-vous fait compte de ça? Savez-vous ce qu'il faut faire pour que les autres qui sont en prison sortent? Nous sommes libres aujourd'hui, nous parlons. Mon frère qui m'appelle là-bas, Loba, il est libre, n'est-ce pas? Moi, j'ai passé à Aruba. Je suis venu de Cape Town aujourd'hui. Je suis venu me voir mes frères aujourd'hui pour prendre une bière seulement. J'ai pris l'avion pour voir mes frères ici. Je suis venu me voir aujourd'hui. Je viens de Cape Town. J'ai pris juste l'avion. Et en passant, quelqu'un qui m'a dit ici, président Azawaji. Président, moi je suis du Kassaïen, je suis Kabine. Il dit ok, laisse-moi entrer parce que je suis libre. La liberté, yes. C'est une personne à demande des documents. Pourquoi nous n'avons pas de documents? Lack of knowledge. Lack of what? Knowledge. What is lack of knowledge? Je merci beaucoup. Je sens en toi vraiment une colère. Non, un souci. Je ne suis pas en colère, je vous ai écouté. Ce que ça veut dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous êtes dans une maison, trouvez des solutions, trouvez d'abord des solutions dans l'intérêt de la maison. Pretoria ou à l'Afrique du Sud où nous vivons. Un Congolais aujourd'hui, il meurt dans la rue. Il a son argent dans la banque, son argent est perdu parce qu'il ne sait pas
comment il faut récupérer l'argent dans la banque. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment est-ce que ton père fait récupérer l'argent dans la banque, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est chassé d'une compagnie, il ne sait pas comment partir chez CCMA. Ils ont de l'or. Comment tu peux récupérer l'argent de l'or? Tu demandes à quelqu'un aujourd'hui de rentrer au Congo. Quelqu'un te dit que moi, quand je rentre au Congo, mon papa a fait une abouse, tout ça. On n'a pas une maison. Comment je vais rentrer au Congo? Tu me dis qu'aujourd'hui au Congo, moi, j'étais au Congo, ça fait. J'étais au Congo, n'est-ce pas? Mais moi, ce que moi j'ai vu au Congo, moi je suis ici, j'ai mes business au Congo. Ici, mon frère, moi je peux parler au Congo, vivre au Congo. Parce que l'économie du Congo, ça balance. Merci. Je pense que j'ai procès et il y a des parts de réponse partout dans ce que vous me demandez. Je vais juste vous poser une question. Vous me demandez de trouver des solutions. Non, vous pouvez vous asseoir. Non, je vous écoute. Vous pouvez vous asseoir. Vous me demandez de trouver des solutions à tous les problèmes. Je remets la même chose. Vous demandez au président Félix de trouver des solutions à tous les problèmes des Congolais. Ça veut dire que nous devons chercher à échelonner les problèmes. Et je pense que quand j'ai parlé des problèmes que nous avons ici, j'ai effleuré presque tout. Et il y a des réponses dans tout ce que tu as dit là-bas. J'ai dit ceci. Nous avons un problème ici en Afrique du Sud. Le problème qui est là, c'est le manque de leadership reconnu officiellement. Thank you. Je crois que j'ai effleuré ça. Et c'est le même problème que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en prison, comme tu as dit, quelqu'un qui est malade. Je parle à l'hôpital. Je parle en qualité de qui? Les Sud-Afrique, j'ai parlé, la loi, il faut connaître la loi. Je crois que tu as effleuré ça. Nous devons tous ces par le papier. Tous ces papiers. Si nous pouvons ne fût-ce qu'avoir ça, aujourd'hui tu peux aller voir l'ambassadeur. Tu peux aller lui dire 1, 2, 3, fais ça, fais ça. Il peut dire non, tu n'es pas reconnu. Je vais faire quoi? Nous nous battons pour cet objectif-là. Parce que c'est ça le plus important. Et je crois que même le président Félix, il ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Il échelonne des problèmes. Voilà, nous avons identifié, voilà le problème, c'est celui-là. Dès qu'on termine avec ce problème, nous pouvons maintenant entamer au deuxième problème. Nous devons entrer en contact, par exemple, avec les gens de l'ANC. Nous avons quel mandat pour entrer en contact avec les gens? Je vois des gens en train de dire non, on va voir les gens de l'ANC, on va voir les gens de l'IFF, on va voir ceci. Tous ce sont les papiers. Tu vas signer avec quel truc? Et si ces gens vont dire, ils agent de faux. Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Même comme j'ai insisté, j'ai dit, même comme nous sommes réunis ici, on peut venir, on dit non, vous êtes reconnus ou pas, on vient, on nous prend tous. Il y a un problème, c'est la loi. Nous devons commencer par ça. C'est pour ça que notre champ de bataille, nous devons d'abord ne plus qu'avoir des documents officiels. Nous pouvons aller aujourd'hui, on va aller au Mafé, demander à aller au Mafé. Je vais en tant que, je ne vais pas avoir cette volonté là-bas en tant qu'individu. Je vais aller là-bas. Mais ce sont les papiers. C'est très important. C'est que tu as dit, j'ai compris, nous en avons parlé, j'en ai parlé, je crois au président, j'avais parlé même des problèmes, même des Covid, tous les malades qui sont là-bas, il faut aider. Il y a eu des cotisations, des ONG, mais aujourd'hui, si le président veut envoyer l'argent, est-ce qu'il va envoyer l'argent à l'autre peuple? Il faut qu'il y ait une commission et une fédération pour dire que nous allons envoyer l'argent à un tel. Et j'aurai des comptes à lui. Parce qu'il peut m'envoyer l'argent, je coupe cet argent-là. Il va me suivre parce que je ne suis pas un officier. Mais si je suis un officier, il a le droit de me mettre en prison. C'est ça ma question. Vous voyez, c'est ce qui est très important. Je crois, sur votre question, je crois que papa Jean-Claude va répondre. Nous avons beaucoup discuté sur ça. On va répondre sur votre question. Je pense que sur... Major Kadhafi. Yes. Vous avez parlé, c'était encore quoi la question sur... Les trucs. Ok, en fait, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui sont partis au Congo. Je vois que le président Kabound a cité des martyrs. On a parlé des martyrs, des gens qui se sont sacrifiés pour l'UDPS. Mon frère, comme on est là, seulement dans cette salle ici, on ne peut pas voir tous les postes des gens de conseillers. Je vois que j'ai dit, pour que tu puisses être respecté, on va prendre deux ou trois personnes. Quand on va prendre deux ou trois personnes, vous allez toujours vous plaindre. Même si on prend 10 personnes de l'Afrique du Sud, on va toujours se plaindre. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour ça que je suis rentré. J'ai dit, nous devons créer nous-mêmes, nous devons dire, ok, je vais être mon propre chef. Qu'est-ce que je peux faire?
Il faut l'esprit entrepreneurial. Le pays, le Congo, c'est un terrain vide. Il y a plus d'opportunités. C'est vrai, vous avez dit que non, ça fluctue. Nous venons d'une. Nous sommes dans une transition. Il ne faut pas expecter quelque chose. J'ai dit qu'il faut même que le président puisse avoir, même pour moi, même avoir plus de mandats pour qu'on lui donne le temps d'accomplir. Parce que le Congo était dit. Il y avait vraiment, c'est la Bible. Il y a un désordre, il y a une corruption terrible. Pourquoi aujourd'hui on veut même s'attaquer au président? Parce que ces gens-là veulent toujours bouffer l'argent. Ils veulent toujours que la corruption continue. Il ne peut pas s'attaquer à votre problème de boulot s'il est lui-même. Si aujourd'hui on le tue, tout va tomber dans l'eau. Parce que nous avons tous un problème de priorité. Parce que quand tu es là, tu dois savoir ce qui est prioritaire. C'est vrai, les boulots, tout ça, mais ça, tu dois énumérer. En première priorité, c'est ça. Tu sais, les boulots, il a dit qu'on veut créer des millionnaires. Est-ce qu'il est déjà arrivé à ce niveau là-bas? La Banque centrale, il y a encore quelqu'un du FCC là-bas. Est-ce qu'il s'est encore attaqué à ça? On va dire non, le président ne travaille pas. Non, il commence petit à petit. C'est comme toi-même aussi, tu dois faire ton propre examen de conscience. Voilà, je peux faire ça. Mais nous avons cette possibilité ici. Je ne demande pas aux gens non de rentrer. Si tu veux rentrer au Congo, tu peux rentrer au Congo. Si tu ne veux pas rentrer au Congo, tu veux rester ici. Il y a des gens qui veulent m'aller en Europe. Mais ça dépend de toi. Mais c'est un terrain vide, ceux qui sont partis là-bas, qui avaient un idéal, un truc, ils se retrouvent. Il y avait des projets. Ceux qui stragent, ce sont les gens qui cherchent le pouvoir. Le pouvoir, c'est très compliqué. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Mais si tu vas avec ton projet, comme je dis, avec des cartes de fou, tu vas te retrouver, tu es ton propre boss, petit à petit, et on va te respecter. Aujourd'hui, voilà. Tu vas aller causer avec ces ministres. En tant que tu es un patron, tu vas causer avec les ministres, tu es un patron, tu as ton petit business que tu fais. Mais tu vas dire, non, je cherche un poste, je veux être ministre. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? La politique, c'est donnant. Qu'est-ce que tu me donnes? C'est un problème d'intérêt. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je vais te donner ce poste. Tu vas me donner quoi? C'est ça le problème. Moi, ce que je vous demande ici, ce n'est pas, j'ai dit, de rentrer au Congo. Non. Commençons par les basiques. Après, vous avez, il y a des petites choses. Vous voyez les Sud-Africains faire des. Vous voyez les Somaliens, les Éthiopiens. Font des petits trucs, mais le problème c'est qu'ils sont dans une sorte de, ils sont ensemble, dans l'amour et tout ça. Mais ce qui est important, c'est moi je dis, il faut faire des formations. Comme j'ai dit, le Covid, vous avez des business management, you can do that. Tu peux faire beaucoup de choses que tu peux faire en ligne. Tu as un petit certificat. Si cet Éthiopien là, qui fait beaucoup d'argent, mais il n'a pas ses papiers là, il lui manque quelque chose. Il fait le reste, mais il lui manque quelque chose. S'il ajoute ça, il devient une personne. Pas complète à 100%, ou même à 50%. Il peut se défendre. Parce que tout c'est un problème de papier. Il fait de l'argent, il dit non, est-ce que tu as un ordre? Est-ce que tu as payé SARS? Tu as fait ceci? C'est un problème de papier. Ta vie peut s'écrouler à cause des papiers. Juste des papiers. Je donne des exemples, même des médecins. Nous avons des médecins qui ont travaillé au gouvernement. Aujourd'hui, parce qu'on a donné une loi qu'il faut la résidence. Ces médecins ont perdu tout, des maisons, des voitures, juste les papiers. Parce que le problème, c'est quoi? Le médecin n'a pas su ce qui était important. Il a voulu penser que c'était le boulot qui était important. Mais ce sont les papiers qui sont importants. Dans un pays, ce sont les papiers qui sont importants. Nous devons comprendre ça. C'est la clé du succès. Parce qu'on va vous chercher aujourd'hui le pasteur qui est parti au Malawi. Monsieur, tu n'as pas les papiers, mais écoute ta vie. Tu peux avoir des millions, des milliards, mais les papiers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu fais des formations, il y a possibilité d'entrer dans les skills. Tu gagnes des skills, tu gagnes des prières. Tu peux même quitter les trucs des réfugiés là. Parce que c'est devenu compliqué. Et je vois qu'il y a un manque d'informations. Nous, on s'est mis assis, comme il a dit notre frère, je suis venu de Cape Town, je suis venu en train de boire. Bon, c'est bien tout ce qu'il dit là-bas. Mais moi, je crois que quand tu as ton frère, tu dois lui dire la vérité, ce qui est important pour lui. Ce n'est pas de donner l'argent à quelqu'un, mais il faut l'apprendre à pêcher. Et c'est très important. Moi, c'est ça, moi, mon souci. Je voudrais qu'on me présente, je ne veux pas avoir des millionnaires. Mais pour commencer, il faut être en ordre. Il faut être en ordre. Parce que même si tu te combien de Congolais sont en ordre, il va là-bas, dire non, tu n'as pas la carte d'électeur, tu ne peux pas postuler ceci, tu veux être candidat, tu n'as même pas le rapport au Congo. Les gens ne comprennent pas les trucs. Ce sont les papiers. Moi, c'est ça le message que je donne. Il faut être en ordre. Avoir les papiers, faire ce que vous pouvez faire. Si vous vous retrouvez ici, tant mieux. Si vous vous retrouvez au Congo, tant mieux. Mais nous aurons quand même des gens, je pense qu'on nous a promis, le président avait promis la fois passée, ils ont dit parti. On va prendre des gens de l'UDPS, de l'Afrique du Sud,
ils seront conseillés, qui conseillent dans les entreprises. Mais on va continuer à se plaindre. On va dire non, on n'a pas pris les gens de l'Afrique du Sud. On ne va pas prendre tous les gens de l'Afrique du Sud. On ne va pas prendre tous les gens de l'UDPS, même du Congo, où ils sont battus. Et aussi quelque chose que vous devez savoir. On est dans l'UDPS, je crois que moi j'ai parlé, j'ai dit quelque chose d'important. On est dans l'UDPS idéologique, c'est qu'on est là parce qu'on aime l'UDPS. On n'est pas là parce qu'on a un intérêt. Ben, je suis là-bas, j'ai un intérêt parce que d'être ministre. Là, c'est une fausse affaire. C'est-à-dire que si l'UDPS perd le pouvoir, tu vas quitter, tu vas aller dans un autre parti politique. Il faut rester là-bas. Ouais. Les gens qui restent communautés, ce sont les gens qui sont campés. Il faut rester communautés, il faut rester avec le parti. Parler du parti, prêcher le parti et respirer du parti. J'étais, je vous remercie. Ouais. Des questions pour le problème des protocoles. Merci. Et la réponse est très facile. Je peux vous donner pour vous apaiser. Il n'y a qu'un seul UDPS. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si quelqu'un vous dit qu'il y a trois UDPS, 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 c'est faux et archi-faux. Il n'y a qu'un seul UDPS. Sauf que, même dans nos familles, vous n'allez pas me dire que quand toi, tu ne t'entends pas avec ton grand frère, qu'il y a deux familles divisées, non. C'est une seule famille, mais sauf que les personnes de cette famille-là ne veulent pas peut-être à un certain moment, pour une cause ou une autre, s'entendre. Mais ils finiront toujours par s'entendre, parce qu'ils sont dans la même famille. Il n'y a pas de UDPS. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul UDPS. Et toutes les tracasseries qui peuvent y être, 1, 2, 4 matin, tout sera terminé. Parce que tout se parle de l'UDPS. Je dis et je vous remercie. Merci. Il y a un UDPS ici à la Fondation. Quelles sont vos intentions? Bon, Dieu a fait grâce, nous sommes là, nous avons atteint notre objectif de faire passer le message qui fait parler de soi-même ces derniers temps. Le message, c'est que notre président est en train de faire Félix Tshilombo Tshisekedi, béton. Il est en train de montrer au monde entier que quand un peuple ou quand, comment est-ce que je peux dire, un fils du pays est au contrôle, hein, c'est différent, c'est très différent. Il montre son amour pour son pays, il montre son amour pour son peuple et il est prêt à tout pour ça. Il est vraiment prêt à tout et nous pouvons le sentir. Et c'est ça que nous demandons au peuple congolais, de supporter cet homme. Cet homme qui a l'amour du Congo, cet homme qui a l'amour du Congolais. Nous, Congolais, partout que nous soyons, supportons le feu. C'est pour le bien de tout un chacun. Oui, mais Président, tout au long de la réunion, vous avez parlé de différents problèmes qui ronge la communauté congolaise ici en Afrique du Sud, en particulier le parti de Fesse, de Rambo. Et nombre de questions ont été posées ici concernant le nombre des partis concernant l'UDPS, combien de l'UDPS qui existent ici. Vous avez m'avez répondu. Mais nous avons une préoccupation parce que vous avez dit qu'il y a une seule communauté UDPS ici en Afrique du Sud. Mais quelles sont les démarches que vous faites ou que vous avez entamées pour que l'UDPS soit unique? Ce que nous sommes en train de faire carrément, pratiquement actuellement, c'est l'une des démarches pour l'unité de l'UDPS. Parce que vous dites que le nombre, on a dit qu'il y a combien d'UDPS, vous avez dit pas. Quand vous posez, quand nous posons aussi la question à d'autres personnes et aussi disent qu'il n'y a qu'un seul parti. Maintenant, quelles sont les démarches que vous entamez pour différents partis que vous êtes pour que vous soyez unis? Ce n'est pas les partis ou ce n'est pas l'UDPS qui est divisé.
nous tous nous prenons une seule personne, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous tous. Ce n'est pas l'UDPS qui est divisé. L'UDPS est toujours un. S'il y a différentes sections, vous allez dire que c'est une division. S'il y a différentes branches, vous allez dire que c'est une division. Mais les, différentes branches se disent aussi fédération. Ici, c'est la fédération UDPS et aussi se disent fédération UDPS. Alors, c'est la fédération UDPS. Donc, il y a une seule fédération, mais il y a divergence d'idées. Il n'y a même pas divergence d'idées. Alors, pourquoi vous ne vous réunissez pas ensemble? Est-ce qu'on est obligé de se réunir ensemble? Parce que vous dites que vous êtes d'un seul parti. Nous sommes un seul parti. Et quand un groupe se réunit à Menlin, un groupe se réunit à Sunnyside, où est le mal? Merci d'avoir répondu à cette question. Mais il y a une autre préoccupation qui ronge la population ici. C'est vrai, nous sommes tous en chapeau parce qu'il y a l'état de siège pour nous. Mais savez-vous qu'il y a. Il devait y avoir aussi un autre état de siège ici en Afrique du Sud concernant la communauté congolaise. Parce qu'il y a l'urgence qui se propose en ce qui concerne le document des Congolais ici. L'ambassade qui est censée être un lieu de protection des Congolais ici en Afrique du Sud, les Congolais ont eu à apply pour le passeport il y a plus d'une année. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, ils n'ont jamais reçu leur passeport. Certains d'entre eux ont été limogés de leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de passeport valide. Et l'UDPS, en tant que parti de pouvoir, c'est vrai, il y a la continuité de la service militaire. L'UDPS, en tant que parti de pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour compatir à ces gens et pour répondre à leurs besoins? Parce que l'ambassade, il n'y a pas de solution. Faisons confiance en Patchy. Faisons confiance en Patchy. Nous faisons confiance, mais au moment où nous parlons, il y a des gens qui perdent leurs travaux. Il y a des gens qui sont là dans le chômage et ils ont besoin de payer le loyer. Non, plus de travaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de passeport. Mais ils ont déjà payé pour ces passeports. De la même manière, aujourd'hui on porte par décès. Il y a quelques semaines seulement, des gens criaient « je suis béni, je suis béni ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Les données ont changé. De la même manière, à l'époque, les gens mouraient à béni. Aujourd'hui, les gens ne meurent. De la même manière, peut-être que c'est dommage que quelqu'un ait perdu son boulot, mais faisons confiance en Fachi. Le processus est déjà engagé. Il y aura une solution. Ok, merci beaucoup, président, d'avoir répondu à ça. Deux questions. Je vous en prie.